Tout le monde, comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là. Bon, comme vous le savez, petite ouverture de coffre. Nanana. On va attendre que le chat se connecte et que les 3500 personnes viennent voir mon chat. Écoutez, on va voir un petit peu ce qu'il y a là. Puis après, ouverture de... Puis après, on follow. Ça veut rien dire. Et après, on continue. 210 Kama, pas mal ça. Qu'est-ce qu'on a? Carte Xelor. Bon, c'est de la merde, mais c'est doré. Donc ça, c'est toujours intéressant. Détruisez 5 Dofus, nanana, 2 victoires consécutives. On va virer ça. 20, ok, ça se fait, ça se fait, ça se fait. Nouvelle carte. Allez, ça, on recycle. Ça dégage. Ah, merde. C'est pas ça que je veux, là. Ah voilà. Ça, ça part. Ça. Ah pas mal, plus 100, ça part. Oh, petite crosmique là. Oh là là, on est pas mal du tout là. Ah non, bon, celle-là on va pas la faire pour l'instant. Alors, on a deux jetons. Eh ben allons-y mes amis. Et on recommence, rend combien? Ça c'est intéressant aussi de savoir. Oh, Kama, Kama. C'est bien, ça va m'en faire un paquet. Non, c'est pas ça que je veux faire. Il faut être en 5 pour apparaître dans le classement. Il y a déjà des rangs. Ah oui, ok. Où est-ce qu'il est notre bon vieux Raph là? Et pas dedans. Et pas dedans celui-là. Rang 14. Qu'est-ce que je fais? Petit Xelor, Tiop. Les deux sont intéressants, hein, mais Xelor, c'est la base. C'est la base de la base. Nani nani yana. Nani nana. Ah ouais, faut que je mette mes vidéos sur YouTube aussi. Est-ce que ça date de quand ça? On est combien là? On est 4 septembre. Un petit hop. Ouah, ça va se faire ça, un petit hop. Comme ça, on va essayer de faire un max de quêtes. Et après, on ouvre les... Bon, ça, ça permet de bien tempo. Ça, bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais essayer de choper un autre truc plutôt early. Et ça, ça peut être intéressant parce que c'est... Créature plus gestion de board. Ça, c'est toujours intéressant. Comment vas-tu, Raph? Est-ce que tu as vu mon ouverture de coffre spectaculaire? Vraiment, vraiment spectaculaire. Bah non, bah voilà. Ah bah non. Bah bravo. J'ai regardé. Ça va, ça va. T'es avec moi. Ça va, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai regardé le live. C'était quand? C'était ce midi. Mais j'ai pas trop aimé parce qu'il parle pas beaucoup. Après, peut-être que je parle trop. Mais c'est un gars connu. Val. Non, c'est pas Val. Je sais plus qui c'était. Mais j'ai vu ça parler sur le Discord. Bah de Cross Maga. Ah non, c'était peut-être pas aujourd'hui. C'était peut-être hier.
où il faisait 4 BO3, tout ça là. Un garçon. Ouais, c'est ça. L'Odyssey. L'Odyssey. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais. Viens avec moi. Bon, ça, c'est toujours chiant, les petites initiatives, mais bon. S'il la booste, on peut Grinch. Mais il parle pas trop. Ah bah toi non plus t'as pas regardé. Eh bah bravo. Non, tu regardes que le mien, je sais. Je t'ai pas vu dans le top 10, hein. C'est quoi ce délire? Mais je vois que des fois ça se frite un peu là entre toi et un autre là sur le Discord là. Je crois que t'aimes pas beaucoup de gens sur le Discord, hein. On va pas se mentir, hein. Salut! J'ai vu que ça se fritait un peu. Oh, bah qu'est-ce qu'il nous fait lui? Parce que je vois que tu parles, mais sans faire de vanne. Et genre, c'est un peu violent, tu vois. Non, mais se friter dans le sens, ça parle mal, quoi. Attendez, je vais aller la voir, cette pute. Bonjour. Hop là! Oui, mais c'est pas Val, je crois. Oh non! Quoi? Ah oui. C'est pas Val, justement. Bon, attendez là. On va se concentrer un peu. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Ça. Là, on est bon. Après, est-ce que je fais ça? Ah, sachant que là j'ai 5. Non, on va faire ça. On va faire ça. On va faire un truc comme ça aussi. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va. Oui, non, mais je me doute bien que bon. Non, mais il n'y a pas. Attends, mais je sais plus qui. Il y en a un pour moi que t'aimais pas trop, mais bon. Ah non! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me refais pas piocher, mon gars. Sinon, ça va pas le faire du tout, là. Ok, bouclier là-dessus. Ah non, là-dessus. Ok. Why not? Là, un petit cochon là. Non, c'est peut-être un peu beaucoup, un petit cochon pour ça. Non. Bah là-dessus, ça sert pas à grand-chose, hein. On va le laisser avancer. On fait quoi? On tape sur un au hasard là? J'aimerais bien peut-être faire ça. Sachant que. Bah, c'est pas fou parce que ça va s'empaler là-dessus. Mais j'ai pas envie de lui faire voir deux vrais.
Bah non, je t'ai pas demandé de le dire, hein. C'est toi, hein, tu t'ambiances tout seul là. Je fais voir de vrai. Ah, j'ai pas envie. On va le faire là. Tant pis. Ok, bon, on a un vrai, donc on va pouvoir fléau sur un autre, du coup. En fait, ça revient exactement même ce que je viens de faire. Ça lag. Ah. Ça lag beaucoup. J'ai pas de drop de FPS, tout ça. Hein. Donc je sais pas. Oh là là, qu'est-ce que ça nous fait ça? Bah j'espère pas que ça lag. Attends, il faut vraiment que j'achète la. Que je mette la fibre là. C'est dingo hein, cette histoire. Hein. Mais pourquoi je l'ai mis là alors qu'il y avait le 2-3 ici? Un peu chelou là. T'as la voix avant le son. Ah! Ah! T'as de l'image? Non, t'as la voix avant l'image, ouais. Bah écoute, je sais pas trop quoi te dire, mon coco. Là, c'est pas mal un petit marcassin là. Je pense que je peux faire ça, vu que j'ai la nonne qui arrive derrière. Et on va faire ça. Bah, je sais pas, des fois ça bug, des fois ça bug pas. Mais peut-être parce que comme ma copine re est revenue là avec le. Ah non, mais elle était déjà là avant. Non, ça change rien. Il y a la même utilisation. Zéro victoire, zéro défaite. Après, tu peux. Ah, mais parce que tu spectes. Ah non, tu spectes pas. Peut-être en spectant, c'est mieux, je sais pas. Spectant, c'est un peu un mot, on dirait un médicament. Deux cuillères à soupe de spectant. Matin et soir. Pendant le repas, hein, parce que bon. On va faire ça. Ça va rentrer tout seul. Tac. Eh ben écoute, on va attendre un peu. Là après 9, je pourrais peut-être la mettre là. J'ai pas envie de dévouement sur un Fodofus, mais en même temps, je suis pas sûr qu'ils aient plus haut que 7-7. Après, il y a encore des initiatives. Ouais. Après, on peut dévouement ça. Hein. Moi, ça me choque pas. Oui, bah calme-toi, Coco, aussi là. Est-ce que je dévouement ça? Est-ce que c'est trop? Ouais, parce que là, il va faire glay, bim. Donc, is not good. Après, je peux faire ça. Comme ça, je finis en 8-1. Tac, ici. Peut se faire aussi, hein. Ça bug toujours, Raph, ou pas, là? Parce que. C'est un peu chiant. On va pas se mentir, hein. Là, j'ai pas de drop, j'ai rien du tout, hein. Oh là! Qu'est-ce qui t'arrive, frérot, là? Ah, donc il va quand même l'avoir, en fait. Ah, c'est bien ça. Ça valait le coup. Donc là, il va gagner, là? Non! Mais il chatte un peu là aussi là. Je pense qu'on fait ça. Hein. Après il a plus de cartes. Hein. Donc faut pas que je fasse le reset par contre. Surtout pas le reset. Donc on va attendre. Ah s'il a encore un fléau, c'est la merde. Mais normalement il a plus de fléau. Enfin j'ai pas compté du tout en fait, mais. Accessoirement, il y a deux resets, il en a eu quatre. Oh, c'est la merde un peu, hein? C'est la merde noire. Bon, là, on va trade. On va faire ça. On pioche une seule carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire ça. 6.
Bah du coup, pas là, pas là, donc là. Non, on va le mettre là. Pour forcer à jouer ici, on peut se faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a plus 4 cartes, hein. Il a plus 4 cartes. Je peux gagner, je peux gagner. Bon, ça va être corsé, mais je peux gagner. Là, j'ai de la grosse gestion de board. Je peux toujours faire Baccarat, hein, dessus. Hein. Je récupère un dévouement. Parce que comme il n'a pas beaucoup de cartes, un dévouement, ça a peut-être plus de valeur. Oh, c'est quoi ça? Réduit silence, les invocations d'une ligne. Ok. Is not the problem. On va faire ça. Ça, on va attendre. Ça vaut combien? 6. Est-ce que je fais ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ça me fait 10. Je fais ça là. Ah, mais parce qu'il veut reset le truc aussi là. Là, 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 là. Je fais quoi? Je fais ça. Risqué ce que je fais là, copain. Je fais ça. Comme ça, je récupère 6. Ok. Oh, mais attendez. Je fais ça. Et je fais ça. C'est beaucoup. Mais j'ai géré une créature. Ah non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, mais je croyais que j'avais poussière spirituelle là. Oh là là. J'ai claqué une aiguille un peu dans le vent là. Ah, mais oui. Ah, c'est pas fou hein, cette histoire là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ok. Ok. C'est pas dérangeant. Est-ce que je fais ça là? Sachant que ça va lui enlever un. Moi, je pense que ça se fait. Comme ça, je rechoppe un deuxième. Et là, il faut juste que je arrive à choper rapidement la 20. Sauf que j'ai pas de paix en réserve. Ça, c'est compliqué, ça. Sachant que là, il a plus de cartes, hein. Il a plus que 3 cartes seulement. Sachant que du coup, ça c'est forcément un vrai. Et je peux jouer sur la deuxième ligne maintenant. Ça s'annonce pas mal, hein. 18, 22. J'ai pas la poussière temporelle là. Ah, bah il suffisait de demander, mon gars. Après, je fais quoi? Je fais ça. Non, je fais ça. Hop. Comme ça l'a fait chier. Il a plus que 3 cartes. Là, il va être obligé de jouer là. Non, c'est bon. J'ai eu un peu chaud. Ça s'est quand même joué à un fléau. Donc là, on est à 9. Ok. Ça, c'est très bien. De toute façon, il n'a plus rien, il n'a plus rien, on le sait. Mais on le sait parfaitement. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais. T'es rang combien, Raph, là, actuellement? Tu vas déjà me dire que t'es rang 27? C'est ça? J'ai bien compris? Donc, ça nous fait 90. Oh, Xel Xel. Xexé. T'as pas joué? Genre, tu joues pas. T'as pas joué depuis le début, là. Mais t'as fait quoi depuis 4 jours, toi? On va enlever ça. Ça peut être pas mal. Oh, deux albatros dès le début. Intéressant.
Je vais mettre ça sur les fléaux, donc j'espère que ce sont des faux Dofus. Nickel, de vrais Dofus. Comme ça, si c'est un... Ben, tu sais pas quel rang t'es. T'as commencé 20, pas mal. Ah, quand t'es 30, tu commences 20. Ah oui, tu commences... Bah non. Regarde, tu commences 10 de moins, mais non, parce que là, j'ai commencé 14. J'étais 21. C'est quoi ça comme deck Xelor? Ça c'est rollback? Je sais pas, j'ai balancé un mot au pif, hein, mais. On va faire ça quand même sur un fléau si jamais il joue des sinistros et tout. Ça c'est un vrai, ça c'est pas mal. Je sais pas si c'est la bonne strat. Comment on rend max atteint? Bah j'étais 21. Ah ça joue ça là? Bah tu vas mourir. Ah non tu peux pas mourir tout de suite. S'il joue un Xelopti, c'est quoi un Xelopti? Est-ce que c'est en un mot? C'est quoi Opti? Est-ce que c'est un Xel Opti? Ah oui c'est en deux mots, ok. J'avais pas vu. On va faire ça et ça. Oh, j'ai les deux vrais là. Pas mal. Caramba. Bon, si tu prends pas de prisme, ça trade. Tac. Il a chopé un prisme, évidemment. Bah, sinon, c'est pas marrant. Il joue un Xel bizarre maison. Comme les miens, quoi, finalement. Là, il peut choper Glay. Ça qui est chiant. Donc on va faire ça. 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 Mais du coup ça revient. Ça c'est un peu chiant. Mais bon, je suis obligé de la tuer. J'ai pas de silence. J'ai rien. Attends. 1, 2, 3, 6, 8. Ok, il va pas mourir. Moi, ça va. Bah... De toute façon, je pense... Ajoute 5 PA et 3. Ok. Bah ça me va. Bon, du coup ça va être chiant. En fait il va jouer un Xel full Mrs. Freeze en fait. Donc faut que je trouve un silence là-dessus là. Donc on va faire ça. Je vais garder mes 3. Bon ouais, on garde les 3. 1, 2, 3, 6, 8. Il va jouer un truc avec Mrs. Freeze en continu quoi. C'est ça? Ouais, d'accord. Ok. Bon, bah, je pourrais en silence une, mais pas deux. Ah, ça, c'est chiant, c'est qu'il en connaît un vrai, par contre. Faut que je note les fléaux. Bon, là, il n'y en a pas. Je fais quoi? Je fais ça. Attends. Si je fais ça, je pioche une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai plus de PA dans la main. Fais juste ça en fait. On va juste faire ça pour l'instant. Ouais, par contre, là pour le mettre à zéro. Oh, coucou toi. Bon, on va en faire sur une, hein, forcément. Sinon, on va en avoir trois tout le temps là. Donc, ça va être très très chiant à gérer parce qu'il va en mettre à chaque tour, il va mettre 3, 3, 4. Ça va être un peu relou. Ça n'a pas l'air de jouer Sinistro. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il joue? Je pense qu'il joue. Bah non, mais même pas. Ça remet pas dans sa pioche. Ça. Attends, je fais ça, je fais ça. Bon, on va faire ça. Ok. Après. Ah, je suis que à 3 là par contre. Est-ce que je fais ça là-dessus? Après, je peux faire ça là-dessus. On va plutôt faire ça là-dessus. Comme ça, je pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par contre, faut pas me faire piocher là maintenant, là.
Là, il va... s'il fait glais, c'est chiant parce qu'il en connaît un vrai. Mais encore, mais c'est trop. Ah, oh, mais sans déconner. À chaque fois, je le colle. Ça va, Maxou, Didou? Et la biscotte qui arrive en même temps. C'est bizarre ça, les deux arrivent en même temps, hein? Alors attendez là, parce que là, faut que je fasse quoi? Là, ça fait 8. Oh, putain, ça me met pas bien ça. Lui, faut que je le tue, lui. Et bon, on va faire ça. Ça. Ça dégage. Bah ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi je les colle celui-là. Bah écoute, ça a tempo. Ah putain, mais s'il a une deuxième. Ouais, je vais pas le call, je vais pas le call. Mais je le sens. Il va avoir une deuxième clé, voilà, je le dis, c'est comme ça. Pourquoi t'as un tuto? Bah, faut se remettre en question. Non, mais sans déconner! Bon, faut que j'arrête de faire les resets parce que sinon il va juste m'avoir au fléau en fait, hein. Est-ce qu'on fait pas. On fait ça. Attendez, parce que là, c'est chiant. Ou alors je fais ça. Ça. De toute façon, non mais de toute façon je vais jouer des trucs comme ça parce que sinon ça va jamais le faire. Là je récupère 5. Bon après on va attendre quand même. Là c'est pas fou hein. Là il a pas de fléau en main. Mais il va vouloir en récupérer. Voilà. Donc là il en a un en main. Mais vas-y là. Ah, il a plus de fléau par contre. Il a plus de PA. Non, j'ai pas eu de tuto. Attends, il en a un en main. Maintenant, il a plus de PA. Donc, si je tue ça, c'est définitif. Donc, on fait ça. On fait ça. Bon, là, on a fait un tour de gestion. On n'a plus rien après. Donc, il a un fléau en main. 4 fléaux et il gagne. Enfin 3 fléaux du coup vu qu'il y en a déjà un en main. C'est complexe. Après j'ai deux cartes de la combo. Hein. What? Ah ouais. Attends. Ça il m'a fait piocher 5 cartes? Attends, c'est le tour 3? Ah! Qu'est-ce qui m'a fait défausser le petit salaud? Bon, ça va, c'est de la pioche. Bon, alors par contre, ça c'est un peu chiant. On va pas se mentir. Après, est-ce que je ferais pas ça? Voilà, comme ça. Bim, bam, boum. Ça fait bim, mais ça fait broum. Comme ça, voilà, on met tout le monde là, tout ce petit beau monde. Et ça fait bim, bam, boum. Pour que rafle dans la tête celle-là. Mais j'ai pas de tuto, je suis rang 14. Évidemment, j'ai pas de tuto en fait. Hein. C'est pour les gens nuls, les tutos. Bah ouais. Il est fou lui. Je pense que les tutos, c'est pour ceux qui jouent Eka. Putain! Ah, j'avais oublié ça. Il joue deux dévouements. Ah non, il a récupéré avec Baccara. Bon, bah voilà, je fais le malin là. Bah, je pense pas, non. Je pense que comme tu joues Eka Flip Chacha, ils ont dit ce gars-là n'est pas. Attends, dans un fléau, il a gagné là? Ah, ça s'annonce complexe là. Ça s'annonce Complicado. Complicado. Allez, donnez-moi du sang. Il faut pas que je fasse reset.
Après, il va pas avoir deux dévouements, trois dévouements quand même. Is not possible. Dans les gens. Putain, je suis obligé de faire ça là. Mmh. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, il a toujours un fléau dans la main. Hein. Donc dans un fléau, il gagne. Putain, mais c'est chiant son deck tout pété là. Je vais faire dévouement sur une 2-1 là. Non. Non. Non, non, non. Bon là, ok ça trade. Garde-t'en! Je t'appelle! Faut pas que je joue sur ce truc, sur ce Dofus là, parce que s'il a dévouement, bon bah ça va être chiant. On va jouer sur les autres Dofus. On va faire sarcophage, on veut piocher. Et puis accessoirement, je veux virer ça là. Comment je fais pour virer ça? Pas de sort de gestion. Ah là, c'est corsé, hein. Putain, c'est chiant. Salbatros, c'est quand même à double tranchant, hein, ces conneries là. Faudrait peut-être que je le fasse late game, dès que j'ai ma combo. Parce que là, en fait, je drive toute sa partie là. En lutte. Ouais. Salbatros, ça se joue pas en early. On est d'accord que je fais n'importe quoi depuis le début. Enfin, je veux dire, tu peux me le dire, quoi, il n'y a pas de souci, hein. Ça sert à rien que je le joue maintenant. On va laisser comme ça pour l'instant. Là, on peut peut-être lâcher un petit dévouement. Bah, bravo. T'as eu un petit coup de pression, hein. Je sens que t'as eu un petit coup de pression. Ok, donc ça va prendre dévouement. Parce que tu vas pas piocher quoi que ce soit, mon gars. Hop. Bon, ça a grande chance que ce soit un faux, parce qu'il y a déjà deux vrais ici. Mais c'est pas grave. Là, j'attaque sur trois lignes différentes, là. Il va pas pouvoir tout gérer. Ils auraient dit, monsieur, vous êtes un peu teubé. Ah non, il remonte tout. Monsieur, vous êtes un peu teubé. Ah non, si je perds la carte garde-temps, c'est chiant. Ok. Comment je gère cette merde? Comment je gère cette 5-5 là? De malheur. Il n'y a pas. Ah, j'ai encore un dévouement sinon. Faut que je fasse Baccarat into dévouement quoi. Bah ouais, mais là j'avais envie de faire le combo là. Bah surtout qu'il l'a remonté. Là ça m'arrange pas. Après je pense que je vais être obligé, hein. Mais le truc c'est que je peux pas faire ma combo après. Non, il faut que je fasse ma combo. Je suis obligé de faire ma combo. Par contre, comment je gère ça? Là, j'avoue qu'un dévouement, ça fait plaisir. Je crois que je vais être obligé. Mais si je fais ça et qu'il a un dévouement, j'ai perdu. Et je peux pas attendre 3 tours. Je fais ça, je récupère. Bon. Je pense que c'est un misplay que j'ai fait, mais c'est pas grave. On va faire ça sur 1. Ah là là, Gekrom comme un gay. Gekrom qui va nous claquer dans les mains. Il va tout simplement perdre son compte. Oh, mais quel enfer! Ah, c'est une 2-4. Ah, mais il va la remonter! Putain, mais quel enfer, ce gars! Il va récupérer quoi? Il va récupérer un dévouement, ce petit saloupio là!
Mais là, on va être obligé de dévouer ça. Je sais pas si ça se dit, mais. Oh, le garde-temps qui arrive maintenant. Attends, bah non, j'ai plus Baccarat. Bah non, allez, mon gars, on y va, hein. Ah, le dévouement qui arrive maintenant. Ok, bon, on attaque un peu tous les Dofus là. Mais il va remettre araignée là. 1, 2, 3, puis il va remonter celle-là en même temps. Mais quel enfer! Sachant que je perds des trucs au fur et à mesure là. Et j'ai plus que 8 cartes! Mais comment ça se fait? Oh. Pas très sympathique celui-là, mais ça je peux même pas le faire. Je suis obligé de faire un truc. Ah, mais Baccarat il va dévouer ça, bon, c'est pas grave. Bon, ah, ça s'annonce compliqué là. Surtout parce que j'ai plus beaucoup de cartes dans la main. Putain, j'aurais jamais dû faire cette combo. Il aurait été là et j'aurais pu gagner. Pourquoi j'ai écouté la biscotte? Pourquoi je l'ai écouté celui-là? Parce que là, je peux en mettre un, mais c'est tout. Puis il a trop de cartes en main, il a trop de. Il peut remonter tout, bah ouais, il va remonter à chaque fois. Non, mais là je pioche en plus. Oh, quel abruti. Après, il y a le bluff hein, qui marche. Hein. Ok, bon, il fait rien d'autre ce tour-ci. Bah c'est de la merdasse, hein. On va pas se mentir. Totalement la merde. Hein. Parce que là, du coup, il me refait piocher. Je suis obligé de faire ça pour le gérer. Je suis à combien? 4 cartes dans le deck là? Ah, puis j'ai pas de fléau, j'ai rien. Voilà, celle-là, je l'ai perdue. Hein. Putain, puis je vais perdre avec ça, en fait. Donc je vais avoir. Je vais perdre. Ah, je vais avoir plein de fléaux sur les Dofus. Mais je crois que je bug. Petite glaive. Bah, allez, mon gars. Téléportation. Ah, bien vu. Pas mal. Bien joué. Bien joué, mon copain. Bon, je pense que c'est. Terminus. Comment je gère ça? Oui, il aurait pu le faire là. Mais parce qu'il sait que je fais du sport. Donc il. Voilà, on le sait. Ben oui, mais non mais on le sait ça. Mais il avait gagné depuis 10 ans déjà. Après il voulait juste reset pour me tuer au fléau quoi. De toute façon j'ai perdu. 5, 9, 10, 11, 12, 13. Là, ça commence à piquer un peu là. Première, je l'ai gagné les doigts dans le nez, quoi. Même pas, mais c'est faux, Maxime, en plus. Qu'est-ce que tu dis? Putain, il a trop de ressources là. Et moi, j'ai surtout tu utilisé, mon ami. J'ai tu utilisé. Mais là, en plus, il se fout de ma gueule parce qu'il peut gagner depuis 15 ans. Foutage de gueule là. Allez, vas-y, vas-y, on avance.
Ok. Titre de 2. Tue-moi, mon gars, mais tue-moi, mais qu'est-ce que t'attends là? Après, ça avance mes quêtes, hein, c'est bien. Ah, oh, mais quel salaud! Ah, oh, un petit 19 là. Ah oui, ça pique un peu ça. Super, super. On est comment? On a fait des petites quêtes là? C'est bien. Après, c'est quoi? 5 Dofus, 20 invocations comptant 6 PA ou plus. Allez, on y retourne. Yop, Xelor, Yop, Xelor. Un petit Yop pour changer, allez. Bon, Max, il en est où là? Eh ben, on t'a, c'est bon. Maxime Catch, c'est pas celui-là? Oh, un petit rang 15 là. Sacrieur, j'aime pas trop, hein. Au début, je trouvais ça nul, mais en fait, ben, c'est le bon, donc t'as récupéré ton compte là. Bon, ça on vire, ça c'est un peu trop tôt. On va essayer de choper des monstres. Ah, ben, voilà, bien. Tu vas pouvoir rejouer Ekaflip Chacha. Franchement, c'est bien, hein. Moi, ça me fait grave plaisir que tu puisses rejouer ça. Hein. Bon, la main est pas folle. Ah oui, il peut jouer le truc à 1, 3, 2 qui inflige un point de dégâts. Ouais. On va essayer de jouer ça au plus tôt, comme ça on essaie de choper un max de trucs. Oh. Ouh. Non, on va pouvoir silence des trucs un peu mieux quand même. On va attendre. Alors par contre, ça va être un peu chiant quand même parce que... Oh, mais quel enfer! Je le mets là en essayant de choper les deux. Allez. On chope les deux. Bah non, on pourrait pas choper les deux, mais on chope le premier en tout cas. Là, forcément, il va lui mettre bouclier, garde-corps, machin, mon cul. Après, il a que 5 de mana, il peut pas. Super. On adore. Bon, bah là, ça va juste le. Ah, mais si je mets quelque chose, par contre, ça va le faire changer. Pas mal, hein. Je fais ça? Non. Est-ce que je fais ça? Ouais, je fais ça. Comme ça, au moins, il meurt. Ok. Après, je fais ça en espérant qu'il vienne là. Allez, viens là. Merde. Marde alors. Je crois que lui, je vais devoir le silence, mais c'est chiant. C'est quoi ça? Gagne plus 1, plus 1. Ok. Bon, maintenant, on a une chance sur deux. Je fais quoi? Je fais ça. Et s'il fait ça, je suis baisé. Je fais ça. S'il fait ça, je suis baisé. Après, est-ce que je peux faire un truc avec 7? J'ai même pas 3 et 4. Wilson. Allez, on chatte. Yes, super. Bon, ben voilà, je l'avais call. Hein. Ça, on est toujours bon. Hein. J'aurais pas pu. Ah, j'aurais pu silence et tour 5. Ah ouais. Ça c'est pas bête.
Ah, oh, ça c'est. De toute façon, il a un fléau. Alors, réfléchissons. On va faire ça parce que ça va être insupportable. Ah merde! Mais oui, il tape sur les deux, ce con. Bon, au moins, ça sauve celui-là. Bah non, il va pouvoir tuer les deux, mais putain, mais Maxime. Oh là là, Kata. Il n'y a pas de diop ici. Non, et eh ben on va jouer ça là. Ah, ça m'arrange que très peu finalement. Ah, les trucs mûches là, c'est tellement chiant. Tadam. Bah, tour d'après, je voulais faire. Je voulais faire ça tour d'après. C'est quoi ça? Quand un, vos deux fus suivent d'égal, deux fus, ok. Je vais le faire là maintenant. Ça, c'est très bien. Ça m'arrange pas là, parce que du coup, il va tuer les deux là. Hop, ça ici. Putain, mais je suis un teubé, mon gars. Mais je suis un idiot. Mais le gars, il va tuer mes 5 Dofus. Ah, quel abruti. Un abruti, mon gars. Bah oui, parce qu'il est toujours pas mort, lui. Vas-y, on avance, hein. Mais me jugez pas, c'est la rentrée. Fait tous des erreurs dans la vie. Hein. Non, 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 je vous vois à des kilomètres. Ça fait quoi ça? Ah, ça remonte dans la main. Quoi? Mais ça c'est méga fort. Non, mais... Pff, ok, le gars, je prends une sauce. Putain, du coup, là, il y a les 4 Dofus là. J'ai aucun sort de gestion. Aucun. Mais là, en plus, le tour d'après, il gagne en fait. Bah j'ai perdu. C'est super. Franchement agréable comme session de jeu. Bah j'ai perdu, voilà. Hein. Putain. Le meilleur truc muche de. C'est quoi? Pas truc muche, c'est quoi? Truc muche, ouais. Truche muche. Meilleur truche muche de l'univers, mon gars. Il a mis 12 points de dégâts. Oui, bah c'est bien. Donc 15, 16, 17, 21. Bon, écoutez, c'est une bonne partie. Même pas tour 10, je crois. Je crois qu'on était même pas tour 10. Est-ce que j'ai fait une quête au moins? Bah même pas. J'ai vraiment pas assez de sort de gestion sur... Allez, je prends le SRAM. Je sais pas, j'en ai un petit SRAM meule là. Ah, le Yop, c'est bien, mais... J'ai vraiment pas assez de sort de gestion. Hein. Ah, c'est bien. Moi, j'ai joué hier, mais c'était une petite session. Non, pas hier, j'ai n'importe quoi. Discard. Ah, dans le sens, tu crames les cartes de son deck. Pas mal. Bah, après, t'as quoi?
C'est vrai que ça fait longtemps, la dernière fois que j'ai joué, c'est une petite session. Personne veut jouer là? Maxime, tu veux pas faire un non classé? Donc là, on voit si on tombe dessus. Non, je veux pas te défier. Décline. Je voulais juste te parler. Bah, comment je fais? Bah, juste, je clique dessus en fait. Non, mais un non classé plutôt. Puis on essaie de voir si on tombe ensemble. Comme ça, je fais mes quêtes. Non, tu veux pas? Mais putain, mais non, pas défi. Non classé, ça te va pas? Ah, voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Go, maf, go! Attends, je suis en non classé, oui. Go! Maxime 4, check à flip. Super. Ça fait super plaisir de jouer contre ton méca flip. Bon, allez là. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ça aussi. Comment on peut gagner en 10-15 sans piocher de cartes? Mais non, mais justement, tu lui as fait enlever toutes ses cartes, non? Tu lui retires combien de cartes dans son deck? Peut-être qu'il avait juste pas de main du coup. Tintintintintintintin. Rebecca, la légende, partira. Et pour la troisième fois. Sa première fois. Qu'elle le voulait. Bah, tu discardes des cartes, ça veut dire que tu enlèves des cartes de son deck ou de sa main. C'est quoi ça? Mais vas-y, mais ça me gave déjà, c'est fou ça. Ouah, mais pourquoi je joue contre toi, mon gars? Mais par semaine, c'est ça pour contrôler ma peau et je suis avec elle. Qu'elle est belle. Charge d'une case. Ah merde, du coup lui. Ah mais non, c'est bon. C'est à chaque fois qu'il y a quoi? Un chacha, ok. Putain, mais c'est vraiment insupportable. Tu veux voir mon nez? Allez, dégagez-moi tout ça là. Dégagez-moi toute cette racaille. Voilà, on a tanké la première vague. Et c'est pas rien. Quelle est belle. Oh là là, mais ça continue. Hein. Ça continue. Ça ne s'arrêtera donc jamais. On va faire ça avec ça. Ok, donc déjà tu crames une petite carte. Qu'est-ce que tu nous crames? Oh, la plus forte. La Serval, là, ça c'est vraiment insupportable. Insupportable. Là, on est pas mal. Ah, ça, c'est moins marrant. Pas très gentil de faire ça, là. Ok.
Ok, ça on gère. Quelle fois? Ok, on a géré le board, ça c'est pas mal. On y voit un peu plus clair. Ah, j'ai quand même pris 21 points de vie, Belle. 390. Oh, il a chopé Gigi. Oh, le Cho Gigi là. Allez, vire-moi ça. Marlene sur Gigi, je sais pas si c'était le meilleur truc à faire. Hein. Marlene sur une 1-1. Le premier sort coûte 4 de moins. Ok. T'es à combien? T'es à 7. Eh ben, on va te faire piocher, mon copain. T'enlèves quoi là? Ok, pas mal. Une chaker crapoteur. Ouais, pour te protéger, ouais, c'est ce qu'on dit ça. Hop, on écoute les conseils de Raph. Et on se rameule, on met des fléaux un petit peu partout. On se focus pas sur un Dofus. Bon, vous êtes content de la rentrée là? Ouais, personne n'était en vacances. Oh! La cata. Attends, mais ça te coûte combien? 8? Ah ouais, tu utilises tes paires en réserve. Ok. Oh là, ça fait quoi ça? Avec une autre. Ah, ça ne m'arrange guère, cette histoire. Donc ça, tu perds une pioche, c'est pas mal. J'adore cette musique. Un été parfait. Il fait beau, les gars. Tout l'été était pourri. Et là, il fait super bon. Faire un petit barbecue hein, d'ailleurs. Et là, faut que tu me dises, Max, quand tu viens sur Amiens. Hein. Tu m'as pas dit la date. Hein. Ah, si, tu me l'as dit? Oui, tu me l'as dit. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, tiens, la location de cette case. Oh non, ok. Perfecto, mi amigo. Parfait, ça. Ouais, j'ai traduit perfecto en français parce qu'on sait jamais. Un peu solitaire. Français. Oh, ça tape là, bim! Pas mal ça. C'est quoi ça? Charge de une case. Encore? Oh, mais là, c'est de la chatte là. Oh là là. T'en as deux? T'as deux dés rebondissants, mais c'est beaucoup trop.
Bon, ça dégage. Évidemment. Ça va là. Et ça va là. Des orages. Ok, parfait. Visage. Ok, le piou-piou. 28, 19, ok. Le premier chachat de votre pioche. Ah, ta pioche, tu double pioche là, mon gars. Et moi, j'ai pas de sort, c'est super ça. Échange les PM. Avec qui? Qui est-ce qui a gagné là? Avec lui? Ok. Alors, on va faire ça tout de suite. À regarder les orages. Trois rebondissants. C'est. Bah, attends, avec un deck full aggro comme ça? C'est un peu contradictoire. Tu joues ça dans un deck contrôle, non? Un deck full aggro comme ça, tu joues pas 3 gros decks qui coûtent 10. Wow, tu vas te calmer, hein? Complètement malade celui-là. Alors, on va pouvoir faire ça. Quoi, bah oui. Bah c'est contradictoire. Ah merde! Ah oui, il y a les miens aussi. Bien vu. Ah ouais? Ah, je savais pas ça. Attendez, vous m'apprenez quelque chose là? C'est écrit où ça? Super, je peux plus voir. Ça baisse de 1? Non, je savais pas. Ah, bah ok, d'accord. On en apprend tous les jours, quand même. C'est fou. On va mettre du Renault après. Au HLM, dans mon rez-de-chaussée. À la bonne du 8e. Ah, bien vu. Attends, toi, t'es intelligent. Ah ouais, chaque allié en jeu. Donc ouais, souvent, ouais, 4, 5, ouais, tu le joues pour 5, quoi. Pas dégueu. Au nombre de chachas alliés en jeu. Oh bah calmez-vous aussi les gars là. Attends, on va faire ça. 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 Comme ça, on chope un maximum de fléaux. Pour avoir un maximum de flow. Là j'en ai deux. Et il est obligé de détruire une créa. Alors après laquelle? Ça, on va voir. Mais moi mon truc il bug aussi. Mais un spectateur, putain, mais pas un, mais au moins trois. Ok, bon la glaive, d'accord, je comprends. Quoi là-dessus là, un petit piège mortel. Un peu nul ce que je récupère là. J'ai pas trop de pioches non plus. De quoi ouais? Toi tu lâches des ouais comme ça là. De quoi? Oh. Ah. Ça ne m'arrange guère cette histoire. Après, je peux tenter un all-in, hein, comme on dit dans le milieu. Je pense qu'on peut tenter un petit all-in. Hein. Alors, lequel on va jouer? Lequel tu défends? Celui-là, tu le défends pas mal quand même, hein. Bon, ça meurt, ok.
Attends, parce que attends, j'ai même pas checké là. 2, 2. Bon, t'as plus que 4 cartes. Tu vas pas me faire des dingueries non plus là. Come to me. C'est quoi ça? Ok, bon, c'est pas bien grave. C'est un peu chiant quand même, on va pas se mentir. Oh, intéressant ça. Bon, on va faire ça, hein. On va faire ça. Sachant que je peux jouer ça en plus. On va faire quoi? Ouais, on va faire ça. On va mettre du board. Ah là, ça le reset par contre. J'avais pas pensé à ça. Mais bon, ça me donne un fléau en plus. Ça me donne de la pioche. Le premier chacha. Ah oui, du coup. Attends. Ah oui, c'est à la fin de tour. Ok. Ah là là, il va me faire une dingue là. Oh, ça fait combien ça? Plus 1, plus 1. Ça c'est quand même méga chiant. T'as combien de cartes? 9 cartes. Ça fait quoi? Oh, du coup ils sont à 4 là. Je récupère. Putain, je récupère rien moi. C'est ça qui est fou. Oh, il tue les deux. Ça m'arrange pas. Oh, puis il tue ça. Ça m'arrange pas non plus. Attendez, on va faire quelque chose. On va faire ça. Parce que là, il est plausible. Hein. Ça, on va faire ça là. Parce que ça, c'est insupportable. Ok. On va faire. Ah, mais ça fait piocher chacun. Mon ami. On va faire ça. C'est pas la folie, hein, ce que je propose là. Enfin, c'est pas ce que je propose, mais c'est. Ouais. 8, 12, 8, 21. Sachant que bon. Il a joué quand même des grosses cartes. Hein. Les servales sont jouées. Les dés rebondissants sont joués. Bah, vas-y, fais-toi plaisir, mon gars. N'hésite surtout pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais quoi? Je fais. Ah oui, il y a ça aussi là. J'avais oublié qu'il y avait ça. Bon, c'est pas ça que je voulais remonter à la base, mais. Est-ce que je fais ça? Ça me fait piocher. Bon, on le tente quand même de toute façon. C'est chaud l'astico. C'est chaud chaud l'astico là. Hein. Putain, j'ai quand même pas trop chaté. Voilà là. Ça, c'est limite, hein. Limite insultant. Mais je crois que normalement, t'as plus de. T'as plus de fléau, hein. Déjà, qui te dit que c'est un vrai déjà? Ça, on n'est pas sûr, on est sûr de rien, hein, finalement. Miranda. Ok.
que j'ai envie de te faire piocher, toi, non? Ah oui, et lui encore là. Ça m'arrange pas. Ok. Attendez, on va faire ça. Non, on va faire ça. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Eh, c'est chaud, hein? C'est chaud, l'asticot, là. Mais on tient bon, on tient le bon bout. Ah, Starfoulaï. Starfoulaï, des cochons partout. C'est quoi ça? Ah, ça pioche en plus. Ouh, ça devient chaud là. Bon, ça va trade. Ça, ok. Bon, on va se mettre. De toute façon, j'ai plus rien d'autre à faire. Quoi, tu t'en vas, Raph? Ça veut dire quoi? Allez. Let's go. C'est ça? Tu t'en vas? Ça veut dire quoi, ça? C'est genre allez, ciao, ou genre allez, let's go, on va baiser des mères? Ça danse là, ça danse et tout là. Vous ambiancez là. Oh non, ça m'arrange pas le serval. Waouh. Oh. Ah ok, ah c'est gentil. Agréable comme garçon. Non, faut rester, faut rester. Bon là, les quatre servals, ils sont partis. Oh non. Il a déjà joué deux glés. Oh, il récupère quoi? Oh non, mais en plus, tour d'après, il prend des dégâts. J'ai tellement mal joué. Ça fait quoi ça? Ok. Non, mais c'est trop là. C'est trop picot là. Ça va pas du tout, ma chérie. Ouais, j'aurais dû faire ça au moins. Bah ouais. Bon, il est quelle heure là? Ouais, je pourrais pas en faire une autre. On va aller s'ouvrir un petit deck là. Ouais, c'était tendu, ouais, mais j'ai mal joué. On va se faire des petits decks là. Qu'est-ce qu'on va prendre? Deux petits decks argent? Bah bien sûr, Maxime. Ah mais j'avais un des packs spéciaux. Ok, d'accord. C'est quoi ça? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Cimetière, Cléry, Tofu et Allié. Tofu Poulailler, Tofu l'Allié. Allez. Ouais, GG. Ouais, c'était. J'ai peut-être, je sais pas. Et à un moment où j'ai mal joué, bah c'était du coup à la fin. Loup-garou super. Bon, c'est là, c'est bon, j'en ai assez. Ah, ça c'est pas mal, ça, je crois. Hein. Ça contre les decks aggro, par exemple, contre son Eka Flip là, ça peut être intéressant. Ça peut être très. Ah, j'avais 3 decks argent du coup, pas mal ça. Vas-y. Oh, une infinite! Oh là là, cosmique infinite. Ich, ich. Pio. Coup de coude dans la gencive là.
Un attard, bon ça, je le vois de temps en temps, mais je pense que c'est un peu de la merde. Infinite. Évangeline. Putain, Évangeline, une étoile. Yes! Enfin, je l'ai. Cette chienne, pardon, je voulais pas dire ça. C'est sorti tout seul, je suis désolé. Dévoiler un Dofus. Ok. Crackboule or. Oh, c'est marrant. Est-ce qu'un truc crackboule ça marche? Non, mais on n'a rien entendu. C'est bon. Non, mais oui, les propos là-bas, oui. Je sais, c'est sorti tout seul, c'est sorti tout seul. J'y peux rien, je suis désolé. Bon, par contre, Evangeline, ça fait le taf. On a du recyclage en plus là. Mais parce que je t'ai dit, moi j'économise, je fais rien avec. Du coup, j'ai tout le temps des paquets. Je peux craft quoi? Il me manque quoi comme carte? Il me manque quoi comme carte? Dans le Xelor, ça va. Le SRAM, il me manque l'araignée. La grosse araignée noire là. Ah non, mais attends, on va essayer de faire un cra. On va essayer de faire un cra. On va voir ce que je peux modifier. Déjà, on va mettre. J'ai combien d'infinites là? 5. On peut en mettre que 5, je crois. Hein. Comment ça s'appelle? Évangeline? Comme ça? Ah, mais je l'ai déjà? Comment ça? Ah non, je peux pas la mettre. Ok, d'accord. Remington, cochon. On vire le cochon. Évangeline. Maintenant, on va craft des cartes, mes amis. Ouais, c'est ça. On reroll les quêtes. Deux quêtes, ça fait des paquets. Bon, maintenant, allez, on va craft des cartes. Ouais, vous adorez crafter des cartes? Oui! Alors, qu'est-ce qu'on va craft? Je peux craft une infinite, mais quoi? Ouais, mais des infinites, c'est bon, j'ai ce qu'il faut là, non? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qui me manque? Alors, attends, on va virer ça, alors, voilà. Qu'est-ce qui me manque là? Ah, il y a la Marlin. Marlin, 3 étoiles. Pas 3, je sais plus laquelle, mais Marlin. Non? Est-ce qu'on vote Marlin ou pas là? Parce qu'après, je vois pas d'autres. Ah, il y a Adama pour. Adamaï. Adamaï. Pour. Bon, les araignées, machin. Mais c'est peut-être un peu trop. De quoi? Ah, bah, je m'écarte mon possédé, du coup. Hop. Mais qu'est-ce qu'on a de beau? Marlin, Alibert. Ouais. Après, est-ce que Remington Suisse dans Kra, 2 étoiles, c'est bien? Ah bah non, j'ai déjà le 3 étoiles du coup. Toxine, c'est quoi Toxine? Attends, parce qu'il y a. Oh, c'est fort ça. Évangeline, 3 étoiles. On s'en fout de mettre carte possédée. Pourquoi tu veux que je mette carte possédée? Je vais pas craft des trucs que j'ai déjà. Moi, je te propose Marlin. Attends, je regarde un peu ce qu'il y a. Il y a plein de trucs que je connais pas en fait. Mais ça va te donner quoi de savoir ce que j'ai? Ça que je comprends pas. Genre toxine 3 étoiles. Ouais. Attends, je regarde juste du coup.
Ah bah Adamite 2 étoiles, ouais, bon ça coûte cher. Mais... ouais, Marlin 3 étoiles, hein. Moi je crois que je vois que ça. Hein. Vas-y, on va mettre par carte... carte possédée. Moi je verrais Marlin 3 étoiles. Mais vas-y, prenons le temps de voir. Donc voilà. Marlin, Amalia, Yann, ok. Kérubin, donc il y a Evangeline. La petite nouvelle, Amalia qui est pas mal, Hugo, Baccarat, Maskman 2 et 3 étoiles, Tristepin qui peut servir un petit peu, Corbeau, Cochon, Goultar, Nox. Qu'est-ce que tu penses de ça, Raphaël? Max, tu joues après? Ah bah comme ça, je vais pouvoir regarder pendant que je fais mon petit... Marlin 2? Pourquoi Marlin 2? Mais tu es fou! Bah, Toxine, j'ai un peu de mal à. Pourquoi Marlin 2? Faut jouer Marlin 3, non? Marlin 3, c'est plus utile dans. C'est plus utile, non? Bah coûte moins cher, oui. Mais 3 PA au moins. Qu'est-ce qu'il y a? Bah après, y a... Ouais, attends. Qu'est-ce qu'il y a entre 3 et 5 d'intéressant? Ça remplit un jeune cœur. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a à 4 ou 5 de chiant à remonter? Genre moi quand je me fais Marlin par exemple et que c'est chiant. Genre les tout ce qui est Mulugaru 4-5 c'est chiant par exemple. Tout ce qui est... Ouais après c'est beaucoup 3 quand même. Hein. C'est beaucoup des 3-5, 3-6. Après il y a genre Sergent Poiscaille 4-6 qui est intéressant. Ah, allez on a dit la même chose. Putain ça c'est bien. Bon allez je crafte ça. Parme. Ouais. Vas-y, on va craft celle-là. Ça y est, c'est fait. Par contre, maintenant, il faut faire des petits decks. Parce que celle-là, je la mets où, Marlene? Oh, mais Maxime, qu'est-ce que tu fais? Marlene. Est-ce que je la mets partout? Est-ce que j'ai des infinites à virer là-dessus là? Corbeau noir, c'est ça? Hugo? Hugo, j'enlève. Non, toi, tu vas vouloir que je vire Corbeau noir, évidemment. Ah. Dis-moi que tu veux virer Hugo. Allez, on y croit, il va nous dire Hugo. Oh là là. La catastrophe, hein. C'est ma toute première carte infinite. Je la jouais partout. C'est un peu ma Madeleine de Proust, on va dire quoi. Bah, alors, Marlin. Marlin 2 étoiles, allez. Super. Bon, maintenant le Cra. Le Cra, on vire. On va virer Corbeau Noir aussi. Allez, ça dégage. Marlin, 2 étoiles. Bim bam boum. Bon, là, on a mis Marlin et Evangeline. Hein. Pas dégueu. Oui. Là, on vire quoi? Ah, j'en ai que 3. Bon, on va en mettre. On va pas virer. On va virer une nonne. Non, on va pas virer une nonne. Un salbatros. Moi, je suis désolé, mais deux salbatros, ça suffit. Ça suffit, les conneries. Baccarat. Attends, pour qui? Ah, pour le Cra? Non, on va laisser comme ça. Ah non, mais le SRAM. Eh, je t'ai oublié, toi, mon gars.
Là, il y en a combien? Il y en a 5. Pour le SRAM, on va virer quoi? Bah, pas Baccarat. Non. Quoi non? Quoi oui? Si, Corbeau Noir aussi? Eh ben, on dégage. Hein. Par contre, est-ce que je peux pas prendre. Est-ce que je peux pas prendre. Genre, je vire Amalia et je récupère Evangeline. Parce qu'Evangeline, c'est quand même fort un peu partout. Genre, je vire Amalia et je prends Evangeline. Ça se fait, non? Je disais oui à un truc il y a longtemps. Eva en SRAM, ça sert à rien. Bon. Et est-ce que Eva en Xelor, ça sert à quelque chose? Oui. Et est-ce que en Xelor, garde autant? En fait, ça met une pression, je trouve. Je trouve qu'en Xelor, ça peut être pas mal. Bah oui, mais si. Non. Bon. Parce que je me dis, j'enlève Amalia, je mets Evangeline. Il va se sentir obligé de défendre. Il va mettre une créature. La créature, je peux la gérer. J'ai 10 000 spells dans Xelor. Je peux la gérer et bim, elle attaque. Bah, pas besoin. Ça permet de choper des. Ah là là. Parce qu'Amalia, ça sert. Pas souvent. Bah c'est de la gestion. Mais j'en ai assez de gestion en Xelor. Je sais pas, je suis. Je sais pas, je suis un peu perplexe. Je laisse pour l'instant, mais je suis perplexe. Bon, on est bon là. Donc maintenant, c'est qui ça? Pourquoi je l'ai ajouté? Ah oui, il m'a ajouté, il m'a posé des questions. De quoi je suis censé. Oui, du coup. Écoute, là, je sais pas. J'ai chopé Evangeline, j'étais trop content. Et en fait, on l'a mis dans un deck. Un seul deck. Alors que j'en vois tout le temps. C'est pour ça que ça me perturbe en fait. Attends, mais pourquoi elle coûte que 6 alors que t'as que 3 chachas? Ah non, 4, pardon. Pardon. Ah, en Yop. Attends, je quitte, on va la mettre en Yop. Non, pas quitter Crossmaker. Ok, c'est bon, mais bon. Quitter le match. Je t'ai ignoré. Tu m'as salement ignoré. Bon, après, faut que j'y aille. Je vais me faire encore défoncer, putain. Ouais, ce soir, c'est couscous. Pourquoi cet accent tout le temps? C'est incroyable, ça. Alors, on vire quoi? Bah, tu m'as dit on vire pas Hugo, on vire pas Amalia. Je vais pas virer Tristepin ou Maskman. Mais en vrai, Maskman, j'ai pas de sort. Hein. Si j'en ai un, deux. Mais c'est de la pioche, donc c'est toujours bien. Sinon, faut virer Hugo Amalia, c'est ça? Bah oui, mais Hugo sert plus à rien, du coup. Ah si, si pour Tristepin. Evangeline. Après, il faudrait que je fasse un deck que j'ai pas encore, d'une classe que j'ai pas encore. Je peux virer Hugo. Si j'ai. Qu'est-ce que j'ai de beau? Non, mais par contre, couscous fait moi-même.
Abusez pas non plus là, pas couscous en boîte dégueulasse. Allez, on vient à Yugo et on en trouve une autre. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que Remington c'est intéressant dans le Yop? Peut-être pas. Baccarat. Baccarat, juste il n'y a pas beaucoup de. Ah, après on peut choper un bon. Compulsion, charge. Épée céleste. Amalia 1. Mais j'ai pas Amalia 1. Je peux pas recraft quelque chose là, les gars. Hein. Ah, si, j'ai Amalia 1. Oui, là. Ah, ouais, ça fait du board. Ouais, contre. Avec Mulugaru, ça peut être bien. Allez, on a écouté le grand maître Raphaël. Il est plus en partie. Le gars, je veux le voir, il est plus en partie. Bon, on doit en faire combien là des. Donc ça va être bim, bam. Alors on a combien là? Hop. 320 quand même, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il a la biscotte là? Bon bah salut à toi Raph. Bon app. Pourquoi tu fais la police là? Tu veux nous avertir de quelque chose? T'es enceinte? Allez. Des bras énormes et secs mon gars. Bon app à toi. Oh là, mais c'est lourd. Personne veut jouer là. Ah oui, Max il joue. C'est bien. Attends, 320? Ouais, c'est pas mal. Hein. Pourquoi la police? Tu t'es fait raid? C'est ça? Oh putain, je me suis pété le cul dans les lunettes. Ah, parce que tu veux que je mette le groupe police, c'est ça? Quand est-ce qu'il nous trouve une petite partie, Maxou, là? Ça m'a défoncé les lunettes, sa mère. J'ai un trou dans le nez. Vas-y, j'ai regardé lui, hein. Ah non, t'es reparti, c'est bon. Ekaflip! Zazu le boss. Tu joues contre Zazu le boss, hein. Fais gaffe, mon gars. Pas n'importe qui, Zazu le boss. Il te fait piocher en plus. Ah bah c'est un meule, ok. Ah, est-ce qu'il va gagner contre toi cette fois, celui-là? Parce que moi c'était serré, mais j'ai quand même perdu. Hein. Attendez, on va enlever ça parce que là, c'est. Sinon ça va être un peu chaud. Bon, t'as fait quand ton scanner, la biscotte, là? Tu devais faire un scanner, là.
Des crocodiles. Ça fait deux fois. Attends, je suis en pleine rééducation, mais j'en suis sa mère. Tu m'étonnes, ça doit pas être évident. Mais c'est quoi les exos, par exemple? Putain, mais je me suis défoncé le nez ou quoi là? Non, je sais pas, c'est chelou. Alors, 105. Bon, à bord du Santa. Plier le jeune. Ah, ah oui. Ah bah oui. Ouais, parce que là c'est au-dessus, oui. Ouais. Pas facile. Ah, il a raté le gruffon. Mais non. Mais pourquoi il a abandonné? Vas-y, je vais aller regarder lui là. Bah, qu'est-ce qui lui arrive? On sait pas ce qu'il joue lui. Et nu. Ah mais tu vois, lui il joue ça aussi, mais après lui il est un peu nul. Ah il est en 16, bon elle est pas si nulle. Oui, bah oui. Contre tout, chacal. Roturier contre tout guerrier. Moran contre tout, chacal. Pourquoi mon PC? C'est ça que je veux dire, pourquoi mon téléphone bug? Allez, on y va. Maxou, il est pas en partie là? Ouais, il est parti. Ouais, il est parti. Ah bah tu pouvais continuer hein. Moi j'ai regardé autre chose en attendant que tu trouves une partie. Ah. Eh mais j'allais continuer hein. Salinger. Enfin, je suis à la moitié là. Faut que je me bouge le cul. Hein. Vas-y, je vais en refaire une en attendant là, parce que ça il m'énerve là. Allez, on va en refaire une là. Vas-y, on va jouer Kra. Mais là, je rajoute pas de sport. Hein. C'est histoire de.
Ah, mais faut trouver maintenant là. Allez, on trouve, mon petit gars. Ah, la biscotte, t'es là, hein, si jamais. Ah, bon, bah, je viens de trouver. Je joue contre Plu-Plu. Plouple, plouple. On va virer ça. Encore 100, les petits gars. Ça va aller vite. En vrai, ça va aller vite. Oh merde! Ouais, oui, mais ça sert à rien de la jouer comme ça. Par contre, j'ai pas les Robins des Bois là. Elles sont où là? Très important. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué un petit cra là. Une victoire, deux défaites. Aïe aïe aïe. Des stats dignes de Saint-Étienne. Bon, bah non, faut jouer, mon petit gars, hein, par contre. Commencer à jouer en premier de toute façon. Et là il joue. Bon, alors là c'est celle qui soigne, c'est ça? Ok. Ouais, écoutez, on va faire ça. On va piocher. On peut faire ça, hein. Flèche criblante. Prochain tour. Bah, prochain tour, on peut, ouais. Comme ça, on one shot ça. Oh, pas cool, ça. Ah, mais si je fais ça là-dessus, ça change pas grand-chose. Je le ferai peut-être au tour d'après. Après, il y a Amalia, sinon, hein. Tac, pour temporiser. Bon, après, je fais ça là-dessus. Ah, il va des. Ok, donc il a un Dofus, un Nécrome doré. Pour faire boucler l'invocation blessée, puis la soigne. Oh, c'est très fort ça! Bah, on va faire ça. On va faire ça. Ah, j'aurais dû le jouer là, quel con! Ça faisait 5 et je faisais ça là-dessus. Oh, Maxime, le con! On va faire ça là. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Putain, quel abruti! Bon, là, elle, ça la tue. Ça, c'est pas mal. Et puis, lui, au pire, ça va trade. Mais là, on est pas mal parce qu'il y a 4 autres distances. Oh, mais quel enfer! C'est quoi ça? Soigne de 3. Ok, bon, bah on va faire ça. Hein. On va faire ça. Hein.
Ça, je sais que c'est un vrai, donc pas mal. Bon, là ça va trade, là ça va trade. Il y a celui-là qui va faire chier un peu son monde là. Pas mal ça. Il reste 50. T'as déjà 8 heures. Oh, faudra que j'y aille après. J'aurai pas le temps de terminer. Si on regarde pour après. On est pas mal à plus que 25. Dis, tu as cramé une petite carte, mon gars. Piocher une carte, bon, ok. Pas incroyable. Salut Maxou, salut la biscotte, salut à toi, mange bien. Hop, ça dégage. Hop, ça va là. Il va recramer une carte. Ah, ils sont là, les Robins des Landes. Ok, ça c'est chiant. Ok, ça c'est chiant. Après ça va se trade, mais... Ça c'est bon, c'est pour moi, c'est pour Bibi. Donc là, dans un fléau, j'ai gagné. On est pas mal. Oula, j'ai tout cassé.
Tac, ça c'est pas mal du tout. Hop. Ça on récupère. Ça, ok, ça fait quoi d'ailleurs ça? Chaque fois qu'un allié est soigné, réduit de 1 attaque d'invocation, ok. Là, il a trop de Dofus attaqué là. Et on va gagner avec Purpus, évidemment. Quel enfer. Ça, c'est quand même un peu insupportable. Ok. Ah oui, ça se... Ok, d'accord. Ça va aussi être vite chiant, ça. On va faire ça. Toute façon, j'ai gagné au tour de... Ah non, faut qu'il utilise ça. J'aurais pu faire ça pour avoir les deux d'un coup. Et oui, Maxime. Un peu teubé, élastico. Ok, c'est bon. Donc, prochain tour, j'ai gagné. Enfin, non, pas prochain tour. Dans deux tours, j'ai gagné. Dans deux tours, j'ai gagné. On fait quoi? On va faire ça. Hop. Et il va se heal de 1. Je sais qu'il peut heal des Dofus. S'il peut heal des Dofus, c'est un peu chiant par contre. Ça, c'est pas mal par contre. S'il ne peut pas, il le Dofus, j'ai gagné. C'est quoi ça? Soignez vos invocations de 1 quand vous lancez un sort. Oh, c'est fort ça! Ça soigne toutes les invocations? Ah ouais! Ok. Bah, bien joué, mon gars! Ainsi soit-il! Je sais même plus comment j'ai dévoilé ce Dofus là. Mais je prends. Et on remonte en cadeau de The Birdie. Bon, et bah écoutez, merci tout le monde. Bon, on était 3. Merci à vous. Putain, je suis à très peu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Là, avec Evangeline, comment je vais. Des bons de mer. Allez.